What's up, ma Sky 2.0 Maniac? Sky Redemption arrive pour la première épisode de Death Stranding, un jeu que j'ai entendu parler en très bien. En plus que j'ai plusieurs abonnés YouTubers qui y jouent, que j'ai pu me donner un aperçu du jeu. On incarne le rôle de Sam Porter Bridges. C'est un jeu qui est plutôt genre futuriste, avec des genres de fantômes qu'on peut appeler les échoués. Fait qu'on est dans l'univers de Death Stranding right now. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, wrist your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Be so serious. Don't be so serious. Comme on voit déjà, les graphiques sont extraordinaires. C'est assez détaillé comme jeu. On a tous reconnu l'acteur qui incarne Sam Porter Bridges, Norman Reedus, originalement The Walking Dead. Qu'on voit les motos, c'est futuriste, mais après moi, il y a quelque chose qui va se passer parce que il y a pas un jeu que j'ai joué jusqu'à présent qui s'est rien passé au début. Peut-être que l'action va décoller directement. Oh, ça c'est pas bon signe. Je me demande vraiment c'est quoi aussi ce genre d'arc-en-ciel. Puis à ce que j'ai vu, la pluie m'a l'air acide. Mais je sais pas quoi qui fuit exactement. C'est ça que j'aimerais savoir. On va probablement le découvrir. Oh. Cette situation-là, ça ne dit rien qui vaille. C'est vraiment génial comme graphique.
Je viens d'arriver à un cul-de-sac. J'espère vraiment qu'on va pouvoir s'échapper de cette créature en question. Aucune idée c'est quoi qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on va le savoir bien assez vite. J'aimerais pas me faire attaquer par cette pluie-là. Ça c'est dire partir juste en attaque. On l'appelle au mauvais endroit, au mauvais moment. On a l'air un peu étourdi, mais tout a l'air de bien aller. Wow, wow. Sauf pour notre moto. Génial. Eh oui, ça fait vraiment chier. Oh! On peut contrôler pour la première fois Sam Porter Bridges. Puis on va essayer de s'habituer au mouvement. Comment contrôler le personnage. On voit quand on ramasse des valises, faire des livraisons, on peut appuyer soit sur R2 ou L2 pour le ramasser, puis appuyer sur triangle pour se le mettre dans le dos. Ça, faut juste pas l'oublier. J'ai l'impression aussi que le scanner sert à détecter les échoués. Oh! Je crois qu'on s'enligne vers la bonne direction. Wow! J'étais sûr que j'allais être mort. Je comprends plus rien. Est-ce qu'on monte en surface? Il y a quelqu'un là? Ah, c'est nous! What the fuck? Oh! Ça, c'est... Je peux dire... C'est épeurant un peu, hein? Genre de... J'avais eu à me dire à dire ce que je pensais, là. En plus, ça a fait vomir notre bonhomme. Fait que là, je crois qu'on va juste contourner. Ah ah! C'est ça qu'on a mal fait tantôt. On arrive près d'une grotte. J'ai aucune idée ce qui est arrivé à la femme qu'on a frappée quand on a fait le jump avec la moto. C'est sûr que c'est un bon endroit pour éviter la pluie, surtout que ça n'a pas l'air bien, bien catholique quand ça te touche. Qui enlève son équipement peut-être pour les faire sécher peut-être. Oh! Vous remarquez toutes les mains qu'il y a dans le dos. Sur les bras aussi. Je sais pas si c'est les échoués qu'on appelle qui l'auraient touché. Puis que ça reste. Tu restes marqué. On dirait que. Comme un vieillissement de la peau quand la pluie touche directement. Oh oh. Regardez ça, tous les détails graphiques du jeu. Chapeau, c'est vraiment incroyable. On dirait qu'à en jouant le jeu, quand tu vois des choses comme ça, on dirait que tu ressens tout ce que le personnage ressent.
pense. Faut juste pas faire de bruit. Ah! On l'a retrouvé finalement. Elle est encore en vie. Je suis un peu content que la créature est comme invisible présentement. Restez pas là si vous voulez pas vous faire attaquer. Parce que j'ai l'impression que si elle a réussi à nous détecter, ça doit qu'on porte un mauvais quart d'heure. Comme elle sert. C'est qu'elle a perdu la place. Soit dit que c'est vraiment impressionnant. Ça passe proche. J'étais sûr qu'il était parti. Ça a été vraiment juste. T'sais, faut pas faire de bruit. J'ai l'impression que je regarde la vidéo puis comme je ne fais pas de bruit. C'est ça qu'on dit quand on entre dans le personnage. C'est ça qui arrive. Les détails du visage, puis tantôt quand on a vu comme les frissons que ça lui a donné avant que la créature arrive, on est rendu là dans les graphismes. J'imagine que la PS5, ça va être encore plus développé encore. Là, on entre vraiment dans les jeux quand on parle réalité. Parce que quand on joue à un jeu comme ça, on a l'impression d'être dedans. De là et de la beauté de jouer. La prologue. Porter. Je crois qu'ils sont partis. Ouf. Il y a eu comme un petit silence. J'ai serré trop fort, désolé. Vos yeux, c'est une allergie chirale? Alors, vous avez le Dooms, comme moi. Vous avez l'air d'être plus atteinte que moi. J'ai le facteur Dooms. D'extinction. Quel est votre niveau? Vous arrivez à les voir? Non, mais je peux les sentir. Niveau 2, alors. Qu'est-ce que vous faites là? Que c'est une maladie. J'essaie de rester qui fait... Il appelle ça le Dooms. Tout comme vous. Ça a l'air qu'il y a différents niveaux de ce que j'ai pu entendre. Comme lui, tu sais, il est au stade où c'est qu'il peut juste les sentir, mais pas les voir. Je m'appelle Fragile. Fragile. Tiens donc. Sam Porter Bridges, c'est ça? C'est vous l'homme des livraisons? Ça a l'air à ça. Sauf, je livre pas de pizza. Hein. Clairement, des choses importantes. C'est ça. Vous en voulez? Les cryptobiotes, le meilleur remède aux précipitations. Peut-être pas sûr que moi j'en mangerais de la cryptobiote. C'est-tu un remède comme quand t'es exposé à la pluie qui peut t'aider? Venez travailler pour moi. Ça doit être un peu compliqué tout seul. C'est la question que je me pose plus que la cinématique avance. On a plein de traîtres. Il ne reste plus grand-chose de nous. Tout juste quelques gens honnêtes. Ça, c'est partout. C'est pas juste dans le futur, ça.
Il ne reste pas grand-chose de moi non plus. Tout mon corps a été exposé. Là, je peux rien faire pour vous. Ça veut dire vraiment que la pluie crée le vieillissement plus rapidement. Un message du central de Bridges. Livreur indépendant Sam Porter Bridges. Destinataire en attente de colis. Je crois qu'on est en retard pour une livraison. Vous vous rendez en ville? Faites attention. Ils ne disparaissent jamais bien longtemps. Je vais suivre ton conseil. Ah ah! Faut pas oublier sa photo. Même si les précipitations font vieillir tout ce qu'elles touchent, elles ne peuvent pas tout faire disparaître. Le passé nous rattrape toujours. On se reverra sûrement. Sam Porter Bridges. Fragile, il est parti comme une flèche. Bon, j'ai l'impression qu'on va se mettre en route pour terminer notre livraison. Finalement, c'est nous qui prenons le contrôle pour la deuxième fois du jeu. C'est une super histoire jusqu'à présent, mais je trouve que les cinématiques, oui, c'est des belles, ça compte vraiment l'histoire, mais j'aimerais avoir plus de temps de jeu. J'espère que ça va s'améliorer durant le jeu. Ça se manie assez bien. Quand on court, ce qu'on veut éviter les obstacles, on peut quand même sauter assez haut. Wow. On perd vraiment beaucoup plus d'énergie quand on est dans l'eau. J'aurais pensé qu'on aurait perdu, mais pas autant. Puis la musique qu'ils ont mis pour le jeu, c'est exactement, on dirait que ça fit juste avec les images qu'on voit, le paysage et tout. Ils n'auraient pas pu faire mieux. Jusqu'à ce Kojima, ils ont fait vraiment un jeu exceptionnel. J'ai l'impression que ça va s'améliorer beaucoup au cours du jeu. Que les cinématiques vont être de plus en plus au top. Donc on voit, les écriteaux sont encore là, c'est pas terminé. Il faut se dire qu'on est juste au début du jeu. Ah, j'ai trouvé un petit truc. C'est sûr que quand on appuie sur L2 et R2, ça stabilise notre personnage. Comme ça, il perd à plein moins d'énergie. Ben là, on vient de planter. Là. Ben, vous comprenez le principe. J'espère qu'il ne nous en reste pas long parce qu'il faut tout vraiment qu'on fasse les destinations à pied. J'ai l'impression que ça va être un jeu qui va être long. On va avoir pour vraiment plusieurs vidéos. Passer à deux cheveux de se planter encore. Là, je crois qu'on arrive à notre destination. Ouf, on n'est pas vraiment loin. Lancement du scan. Marchandise confirmée. Merci. On est rendu à la place parce que quand ils scannent la marchandise, ça veut dire comment on vient tant, on t'attend, t'es en retard. J'espère qu'ils vont me donner toute ma prime pareil. Ils sont mieux. Bon, on est rendu à notre première livraison. Faire une livraison, livrer la marchandise. Vous pouvez sélectionner livraison. Ok.
Une fois la marchandise déposée égale ou supérieure à la demande, vous pourrez indiquer que la commande est terminée à tout moment. Ok. J'essaie de comprendre. Je suis pas vraiment habitué à ce style de jeu. Je suis habitué aux jeux d'horreur et aux jeux de guerre comme Call of Duty, Ghost Recon. Ah! On s'est finalement démerdé, comme on peut dire. Prison. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? La légende n'est jamais en retard d'habitude. J'ai dû attendre que la tempête passe. J'ai perdu ma bécane et de la marchandise. On dirait planté. Que vous avez vu l'enfer. Directement. Vous êtes en retard. Manquez-tu quelqu'un? Bon. Tout a l'air d'être en bon état. Au travail. À la prochaine. Oh! Yeah! Première livraison. Terminée. Je comprends pas encore tout ce qui m'est montré présentement. Mais c'est sûr qu'à force de le voir, ça va finir par rentrer là. Commande spéciale pour Sam Porter Bridges, priorité 1. Ok. L'impression qu'on a cherché d'autres marchandises puis revenir au même endroit. Ça fait des aléatoires toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle une voiture lift. Par ici. Jacket. Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Sam c'est Porter, quoi, je c'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Non, les c'est documents que c'est disaient que vous aviez la une sorte de phobie. Incinérateur mortuaire de Bridges. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Je vous explique en chemin. Peut-être on va m'expliquer, sinon je décolle. Allez, bon. Venez. Venez jeter un œil. Là, c'est pas de quoi de cri. Ça m'en a l'autre. Ça m'a tout l'air. Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. Un cadavre. Intéressant. À quand remonte la mort? On connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on l'a pas mis en quarantaine? Il n'était pas malade. Le gars s'est suicidé. Il y en avait juste assez. On a de la chance. On n'aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser. Nécroser. Où est-ce que vous l'emmenez ? L'incinérateur le plus proche est au nord. Il grouille d'échoué, votre itinéraire. Vous pouvez pas en prendre un autre ? Ça m'arrangerait, mais je vais pas avoir le temps, moi. Dans ce cas, je crois que vous feriez mieux de brûler ce pauvre gars ici. Pour balancer le kyralium dans l'air juste à côté de la ville, ça va pas à la tête. Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre l'incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. C'est quoi, il peut passer dans, directement au travers de la région des échoués? Ça y est, il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant? On peut compter sur vous? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. La famille, je veux pas te toucher. Appelez-moi Sam. Et je peux pas repérer les échoués. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un brise-brouilleur. Un brise-brouilleur. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Oh oh! Un bébé! Faut toujours que ça se mette dans un état pas possible. Le premier trailer qu'on avait vu de Death Stranding. Vous connaissez bien l'autre côté, vous. Ça aussi, c'est flippant. On avait eu un petit aperçu. Allez, on y va.
la balade se passera pas comme qu'on veut. Comme qu'on veut. Il y a toujours des imprévus. Le monde était tellement différent quand j'étais gamin. On peut parler, ben bien, mais en même temps, on peut regarder à leur tour. On pouvait tous aller, tous aller chanter, sans se poser de questions. On n'avait pas de messagers, pas besoin. J'aime vraiment le concept des graphismes qui sont conçus pour ce jeu. C'était même possible d'aller dans d'autres pays. Alors, présentement, je pense que c'est plus possible d'aller dans d'autres pays. C'est difficile à croire, maintenant. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. On se fait atteindre une partie de l'histoire, on va nous aider à comprendre ce qui s'est passé en réalité pour que le monde devienne comme ça. Mêlé à celui des morts. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes, et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. Écoute, par la baie, quelqu'un fait des livraisons. Parce que c'est pas tout le monde qui avait ce qu'ils auraient besoin. Un arc-en-ciel! Ça veut dire que l'arc-en-ciel, c'est ça qui nous montre qu'il va avoir des échoués. Fais chier! Va falloir qu'on passe entre les échoués! Puis quand je disais, on passera pas au travers sans problème. On a l'exemple juste là. Là. Je les entends, mais je les vois pas. J'aimerais pas vraiment me faire attraper par une de ces créatures. Je sais que ça va arriver durant le jeu. C'est saloperie. Sortez-nous de là. Sam, vous voyez quelque chose? Je pense que le moteur a calé. Non. Que dalle. Ouais. Je vois ce qui est. Rien. Il marche plus, bébé. C'est pas possible autrement. C'est vraiment un autre bout de chemin. Wow. Ils sont vraiment sur nous. C'est vraiment intense. Là, ça veut dire, si on a fait un accident, on est pris directement dans le centre des échoués. Au moins, les plantes poussent vite par là. L'arrêt de blessé. Là-bas. Conducteur, ça. Ah oui, faut pas oublier le cadavre qui est déjà en force, en phase de nécrose. Qu'est-ce qui arrive à son visage? Je sais pas si c'est son âme ou quelque chose comme ça. S'en sortira pas. Je crois qu'ils arrivent.
t'es coincé de là. Oh, la phase de vieillissement. Oh, merde. Sam, tiens-moi. Intense, mais incroyable en même temps. Oh, oh. Notre compagnon est de retour. Deviennent comme ça, les fameux échoués qu'on appelle. Quoi? Ça doit être vraiment un cauchemar si tu te sens comme entouré par, on dirait, toutes des ghosts. Désolé. Wow. Puis imaginez, c'est juste le début. Un fantôme lui aussi, mais y'a... Oh oh... Je crois qu'ils l'ont détecté. Ils n'ont pas laissé le temps. Je parle pas vraiment tout de suite, c'est parce que c'est... Je suis juste comme... Dans le jeu. C'est juste... Wow! Que je vais avoir vraiment du plaisir avec ce jeu-là. Là, on est-tu encore dans nos pensées ou c'est-tu vraiment ce qui se passe réellement? Ah, moi, je dis qu'il rêve encore.
Et ouais. Toute une population de poissons décimée. Je sais pas si c'est là qui se connecte à, avec le bébé. Probablement que oui. Comme un genre d'impasse, je sais pas à quoi m'attendre. Il est tout nu en tout cas. Là, on voit toutes les échouées. Vraiment à couper le souffle. Death Stranding. Tout ça, puis c'était juste le début. On n'a même pas encore égratigné la surface du jeu. Falling down, London Bridge is falling down. My lady. Je dirais que tout est décédé autour de lui, les poissons, les crabes. Puis probablement la femme va vers une mort certaine. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'il se passe de quoi? Puis dans un claquement de doigts, il peut arriver d'autres choses. C'est que ça peut passer d'un extrême à l'autre. C'est ça qui est plaisant, parce que c'est jamais les mêmes choses. On connaît les échoués, mais ça me paraît être un autre ça. Ça veut dire qu'ils prennent d'avoir plusieurs différents. Et ça veut dire que ça va probablement être ça, les boss fights. Ce qui va mettre ça encore plus intéressant. On s'assure que pour réintégrer notre corps... J'ai mieux voir le bébé que voir l'argent de poupée que j'ai vu le premier coup pour se tuer. Bébé. Là, je crois qu'on est rendu dans le réel. À chaque fois qu'il s'en va dans ces rêves-là, c'est comme s'il serait connecté aux échoués. Là, ça crée des cryptopiotes qui pourraient manger pour essayer de... aider contre la pluie. Un immense cratère. Un jour, il y eut une explosion. Un ça me rappelle de quoi? Qui donna naissance à c'est la tout vie l'épisode 1 de Death Stranding. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je veux que vous vivez l'aventure avec moi. Explosion. Si vous avez liké ou abonnez-vous, parce que je sens que il va y avoir plusieurs surprises comme nous chercher celle-ci cinématique. On va avoir plusieurs émotions. Fait, salut gang, à la prochaine. Do you understand?